Salut les amis, je crois que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la finale de la 8e saison de la série Les Changements du Destin, diffusée actuellement sur Zimagic. Vers la fin de cette saison, la fausse grossesse de Rhea va être exposée, Prachi et Ranbir vont se remarier, Prachi va donner naissance à une petite fille, et Aliyah sera arrêtée. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté, dès la mise en ligne, d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou tapez Zimagic Info Plus, ou Zimagic Actu sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, et TikTok. La saison 8 a commencé quand Prachi avait rompu les liens avec Madame Sushma, parce qu'elle lui avait demandé de choisir entre elle et Ranbir. Prachi avait décidé de retourner chez Ranbir, pour lui annoncer la nouvelle qu'elle est enceinte, et arrêter son mariage avec Rhea. Elle arrive tard, et Rhea s'est déjà mariée avec Ranbir. Prachi se fâche et jure de se venger de Ranbir, ainsi que toute sa famille pour l'avoir trahi. Elle va à la résidence de Koli, et trouve Rhea en train de faire les derniers rituels de son mariage. Elle arrête tous les rituels, disant qu'elle est la femme légale de Ranbir, et qu'ils ne sont pas encore divorcés. Plus tard, Pallavi, Rhea, et Aliyah décident de droguer Prachi pour avoir ses vraies signatures sur les papiers de divorce. Elles parviennent à le faire, et elles ordonnent à Prachi de partir dans un bref délai, sinon, la police va l'arrêter. Prachi se sent impuissant, ne sait plus quoi faire. La grand-mère de Ranbir suggère à Prachi et Shahana de se déguiser en agent de l'État pour vérifier la maison, afin de voler ses papiers de divorce et les détruire. Elles parviennent à le faire, et détruisent ses papiers. Plus tard, Ranbir part à l'hôpital pour chercher des médicaments de Pallavi. Arrivé là-bas, une infirmière lui demande d'attendre dehors, car le médecin est en train de consulter une femme enceinte en ce moment-là. Ranbir découvre que cette femme est Prachi, et lui demande si elle est enceinte. Prachi refuse de l'admettre et s'en va. À la maison, Ranbir lui dit, s'il y a une chose qu'il devrait savoir, elle doit le dire maintenant. Si des jours passent, et il le découvre plus tard, elle ne va jamais la pardonner. Prachi devient inquiète. Le jour suivant, Ranbir trouve le médicament de Prachi, et il fait des recherches sur cela. Le résultat des recherches prouve que c'est un médicament de femmes enceintes. Ranbir redemande à Prachi de lui dire la vérité sur sa grossesse, mais Prachi fait une scène pour convaincre Ranbir qu'elle n'est pas enceinte. Elle emploie des mots blessants, juste pour éloigner les soupçons de Ranbir sur sa grossesse. Ranbir se sent blessé après avoir écouté Prachi lui dire qu'elle n'a jamais rêvé de devenir la mère de son enfant. Pendant ce temps, Pallavi décide d'envoyer Rhea et Ranbir en lune de miel, afin de les rapprocher. Ranbir accepte d'aller en lune de miel avec Rhea, dans le but de rendre Prachi jalouse. Lorsque Prachi apprend cette nouvelle, cela déclenche la jalousie en elle. Elle crée beaucoup d'obstacles, et parvient à empêcher cette lune de miel. Plus tard, elle sort pour aller à son rendez-vous médical. Rhea la suit frauduleusement pour découvrir où elle va. Et là, elle découvre que Prachi est enceinte, mais Prachi essaie de la faire croire que c'est Shahana qui est enceinte. Rhea mène ses enquêtes et découvre que Prachi est enceinte pour de vrai. Elle décide de l'exposer, tout en essayant de prouver que l'auteur de cette grossesse c'est Siddharth, mais cela ne marche pas. Un moment après, Rhea dit à Aliyah que tout ce qu'ils font pour séparer Ranbir et Prachi n'aboutit à rien. La seule solution, est de tuer Prachi. Ils engagent un homme nommé Nick pour tuer Prachi. Ce gars tente de tuer Prachi pendant une manifestation qui était organisée dans la maison, mais Ranbir sauve Prachi à temps. Ranbir, ensemble avec la police, se met à la recherche de cet homme. Pendant ce temps, cet homme parvient à enlever Prachi afin de finir le travail qui lui était confié de faire. Ranbir parvient à trouver l'endroit où ils sont, et bat cet homme. Pendant qu'il essayait de sauver Prachi, Ranbir reçoit une balle et on l'amène à l'hôpital. Après cet événement, Rhea décide de piéger Prachi afin de l'accuser d'avoir tenté de la tuer, mais cela échoue.
Alia envoie encore d'autres hommes pour faire du mal à Prachi et confisquer sa chaîne de mariage à côté du temple. Ranbir sauve Prachi et se fait poignarder par ses bandits. On l'amène à l'hôpital et on l'opère. Prachi était rentrée à la maison pour se reposer. Quand elle a appris que Ranbir s'est réveillé, elle est partie vite à l'hôpital pour lui annoncer qu'elle est enceinte, mais elle rencontre un accident en cours de route. Ranbir apprend que Prachi a eu un accident, et refuse de rentrer pour être avec elle. Prachi va voir le médecin pour vérifier sa grossesse, et Ranbir la suit. Ranbir découvre que Prachi est enceinte juste en ce moment-là, après avoir entendu les battements du bébé, et sa conversation avec le médecin. Ranbir se met en colère, se disant que Prachi lui a caché une si grande nouvelle. Plus tard, il se dit que c'est parce qu'il s'est marié à Réa, raison pour laquelle Prachi a gardé ce secret. Il jure de prendre soin de Prachi et de son enfant. Il décide de divorcer de Réa. Quand Réa apprend que Ranbir veut se débarrasser de lui, elle fait une crise. On l'amène à l'hôpital, le médecin dit qu'elle est enceinte. En réalité, Réa n'est pas enceinte, et elle n'a jamais couché avec Ranbir. Elle a menti à tout le monde qu'un jour Ranbir était ivre, et l'a forcé. Réa décide de piéger Prachi afin de l'accuser d'avoir tenté de tuer son enfant. Elle réussit à le faire, et Pallavi chasse Prachi de la maison. Juste après avoir fait quelques pas, elle s'évanouit. On l'amène à l'hôpital et ils apprennent que Prachi est enceinte. Tout le monde est content, sauf Pallavi. Mais plus tard, elle s'excuse à Prachi, et lui dit qu'elle l'accepte comme sa belle-fille. Réa dit que Pallavi l'a trahi, mais Pallavi lui dit qu'elle fait cela, pour convaincre Prachi de rester, et quand elle va donner naissance à son enfant, elle va lui confisquer ce bébé. Elle demande à Réa de divorcer de Ranbir pour qu'elle réussisse son plan. Réa refuse de divorcer de Ranbir, et dit à tout le monde, d'ailleurs Prachi n'est pas enceinte de Ranbir. Elle dit que le papa de cet enfant c'est Siddharth. Prachi demande à ce qu'on appelle Siddharth, afin de faire éclater la vérité. Alia et Réa enlèvent la sœur de Siddharth, et lui obligent à accepter que Prachi est enceinte de lui, sinon elles vont tuer sa sœur. Siddharth accepte cela comme ça, et cela choque tout le monde. Pallavi et Vikram décident d'obliger Prachi à se marier avec Siddharth. Plus tard, Prachi découvre que Siddharth a menti pour sauver sa sœur. Voyant que la vie de Miika, la sœur de Siddharth est en danger, elle accepte de se marier avec Siddharth pour sauver Miika. Le jour du mariage, grand-mère arrête la cérémonie en faisant semblant de faire une crise cardiaque. Grand-mère dit à Siddharth de ne pas épouser Prachi, et Siddharth lui dit que ce n'est même pas son désir. Ranbir rencontre Siddharth et devient violent vers lui, lui disant qu'il a détruit son histoire d'amour avec Prachi. Siddharth lui avoue qu'il fait cela, parce que Alia et Réa ont enlevé leur sœur, Miika. Ranbir refuse d'y croire, mais Siddharth reçoit un appel vidéo de Alia, lui montrant comment leur sœur est blessée, et lui menaçant de ne pas arrêter le mariage, s'il veut la sauver. Ranbir se fâche contre Siddharth, lui demandant pourquoi elle n'a jamais dit la vérité à la famille. Ils décident de sauver leur sœur, avant le mariage. Ranbir suit la localisation de l'appel que Alia venait de faire, et retrouve Miika. Il la sauve et l'amène à l'hôpital. Il appelle Siddharth et lui dit que tout va bien maintenant. Siddharth sort et se rencontre avec Ranbir. Les deux commencent à parler, et Prachi surprend leur conversation. Prachi demande à Ranbir comment il est au courant de cette affaire. Ranbir se fâche contre elle, lui demandant pourquoi elle lui a caché un si lourd secret. Prachi lui dit, s'il lui avait fait confiance, il n'allait jamais arriver jusque-là. Ranbir décide de s'habiller en mariée et s'asseoir dans l'hôtel pour se remarier avec Prachi, car son visage est voilé. Pendant ce temps, Siddharth part à l'hôpital pour être avec sa sœur. Prachi et Ranbir se remarient, et quand ils enlèvent leur voile, Pallavi est choquée. Ranbir avoue toute la vérité sur le kidnapping de Miika. Il montre toutes les preuves, et Réa fait semblant comme si elle n'était pas impliquée, et elle blâme Alia.
Ali a fait semblant d'être désolée, et dit qu'elle l'a fait pour le bonheur de sa sœur. Pahlavi défend Aliya, et dit que c'est le désespoir qui l'a poussée à faire une chose pareille, pour le bien de sa nièce. Prachi leur dit, d'ailleurs, Réa en question n'est pas enceinte, elle vous ment. Ranveer décide d'aller prendre le test qu'il avait fait sur cette grossesse. Prachi parvient à prouver la fausse grossesse de Réa, tout le monde la méprise, même Pahlavi la déteste pour ça. On la chasse de la maison, et elle s'en va. Aliya décide de poursuivre la famille Koli en justice, mais Réa dit qu'elle reconnaît qu'elle est une mauvaise personne, et défend la famille Koli. Le juge rejette cette affaire, et Réa dit qu'elle veut se repentir de ses péchés. Cette fois-ci, elle a changé pour de vrai. Aliya se fâche et décide de tuer Pragya et Abi à l'hôpital, pour en finir avec eux. Réa l'apprend et l'informe à Prachi. Les deux arrivent à l'hôpital, mais c'est trop tard, parce que Aliya a déjà retiré les masques d'oxygène de Abi et Pragya, ce qui les a conduits à mourir. La police arrive et arrête Aliya. Elle est amenée en prison. Réa et Prachi pleurent leur part ensemble. Plus tard, Prachi ressent les douleurs de l'enfantement et elle est amenée vite à l'hôpital. Aliya s'enfuit de la prison et se déguise en infirmière. Elle vient à l'hôpital et apprend que Prachi a donné naissance à une petite fille. Elle sourit narquoisement, et jure de ruiner ce nouveau bonheur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas si Zimagic va s'arrêter juste à cette saison. Il y a encore une saison suivante. Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagic Info Plus, ou @Zimagic Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.